voudrais parler d'identité aujourd'hui. Pourquoi ce choix, pourquoi ce thème et qu'est-ce que vous attendez en fait en termes de... Cette année, le comité scientifique a décidé que, après 3 mois de débat, de venir et de proposer comme thématique l'identité marocaine. Cette thématique, elle est venue pas comme ça, elle est venue sur une construction qui s'est faite, à partir des anciennes éditions. Pourquoi ? Parce qu'on est parti après la bonne gestion du Covid, après ce qui s'est passé avec... En fait, c'est des accumulations qui se sont faites et qui ont fait que l'année dernière, on est venu et on a dit « Ok, le Maroc, il est arrivé à un stade où... » Et que le secteur aussi doit casser les frontières. Et on avait une thématique « Breaking boundaries, matter of mindset ». Et donc, dans la continuité, avec ce qui s'est passé sur la solidarité et la souveraineté de la gestion du séisme de Haouz et autres épopées du Maroc, que ce soit en diplomatie ou autre, eh ben, on s'est posé la question que les professionnels du secteur doivent se nourrir de ce qui arrive, de ce que fait le Maroc. Et donc, il était évident qu'on mette en avant l'identité marocaine, qu'on la débatte et qu'on la mette sous 3 axes. Le premier, c'est l'inspiration. Comment cette identité nous inspire. Deuxième axe, c'est la créativité ou la création, l'action. Comment les talents peuvent exprimer, je dirais, toute cette identité et surtout comment l'identité marocaine anime notre secteur et l'économie en général. Et puis le troisième axe, c'est l'empowerment, c'est la création de valeur, toujours sous, avec un étendard, c'est celui de la marque Maroc que nous chérissons et que sur laquelle on travaille depuis quelques années. Votre idée sur la marque Maroc sur le plan régional, sur le plan africain, où est-ce qu'elle en est ? La marque marocaine... Déjà, la marque marocaine se nourrit de cette identité. La marque marocaine, on l'a étudiée sous différents angles et aujourd'hui, elle est, c'est une marque qui a sa présence un peu partout sur le continent. Vous avez parlé d'Afrique, de la présence, de beaucoup d'influence et surtout, c'est une collaboration d'égal à égal qui est toujours été prôné par Sa Majesté l'Ainsro et qu'aujourd'hui nous récoltons quelque part ce travail qui a été semé depuis quelques années. Donc la Moroccan ID est quelque chose qui nous parle parce qu'en tant que Marocain on a le même vécu, on partage une histoire commune, on a un patrimoine qui est commun. Un patrimoine qui est très riche et varié. Et donc l'idée, c'est de dire, en tant que Marocain, on a tous un avis, on a tous une idée très précise sur notre marocanité. Le challenge va être de trouver une définition qui est commune à l'ensemble des personnes et qui parle à l'ensemble des personnes de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent s'identifier. Donc ça, c'est la première idée. Et puis le deuxième volet, c'est que comment exploiter les valeurs qui nous sont propres pour véhiculer des messages et mettre en avant des offres et des services sans pour autant tomber dans le volet caricatural ou dans le volet théâtral, tout en apportant un maximum d'authenticité dans l'approche et en ayant le juste ton par rapport aux messages qui sont véhiculés. Et comment faire la transition sur le volet marketing en fait, de cette marque ? Alors sur le volet marketing, forcément le point de départ au niveau des valeurs, c'est d'identifier quelles sont les valeurs qui sont en adéquation avec l'ADN de certaines marques. Toutes les valeurs ne sont pas applicables à toutes les marques, donc certaines sont plus pertinentes que d'autres. Et une fois qu'on identifie quelles sont les valeurs les plus parlantes, le challenge par la suite, c'est de dire mais comment je vais m'appuyer sur ces valeurs-là pour apporter ma valeur spécifique, ma valeur ajoutée de manière très différenciante, de manière à ce que je puisse me positionner sur l'échiquier concurrentiel. C'est carrément un sujet de thèse. Et on va essayer de voir et d'essayer de comprendre l'identité individuelle sur plan sociologique. Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est plutôt la collectivité? Qu'est-ce qui influe? Quel élément influe l'autre élément? Est-ce que c'est l'identité? Le Moroccan ID est statique? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle change à travers l'histoire, mais aussi dans les espaces géographiques? Qu'est-ce qui fait le Moroccan ID? Alors, sur le plan culturel,
sur quel levier, sur quel volet devrait-on s'appuyer pour donner une idée, donner un corps, une image à ça? C'est très difficile de choisir un levier sur lequel s'appuyer pour comprendre l'identité, parce que par nature et par essence, elle est plurielle et elle est multiple. Et une entreprise, dans sa stratégie de communication, qui va se baser par exemple sur un élément, pourrait tomber dans le risque ou dans le piège de la caricature de l'identité marocaine. Une entreprise qui anticipe les changements, les mutations sociologiques en cours, pourrait aussi en profiter sur le plan marketing et communication. Je pense que les communications qui tombent dans la caricature ne servent pas les mutations sociales, ou ne comprennent pas, ne servent pas, mais à la base ne comprennent pas les mutations sociologiques qui sont en cours. Et on va prendre un élément, on va réduire toute la complexité de l'identité marocaine dans cet élément, et on tombe soit dans la caricature, soit carrément dans des messages racistes, misogynes, etc. Parce que justement, on ne fait pas l'effort de comprendre en profondeur. On va juste voir de manière superficielle un aspect et considérer que c'est uniquement cela, la marocanité ou le Moroccan ID.